Ok, bon, on reprend. Alors, quelques modifs. J'ai fait un peu de farm. Donc du coup, mon perso, il est niveau 18. Donc il est en train d'apprendre soin vie, là. Je me demande si j'aurais pas lui changer le Nagatama, en fait. Peut-être celui-là. Ouais, bonus mana serait peut-être pas con. On va lui mettre ça, tiens. Donc aussi, donc j'ai créé des nouveaux démons. Notamment elle. Je l'ai eu en fusionnant Ange avec Jack Frost. Enfin Jack Givre. Donc elle est faite électricité, elle est venue la force. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a direct Media et Mazan. Donc c'est vraiment bien. Et en plus elle va prendre Amma, ce que je vois, ça peut être utile. Amma, c'est un sort d'instant kill. Et là une bonne magie en plus. Et elle résiste bien, mine de rien. J'ai aussi créé Archange. Alors Archange, il commence direct avec Tarugaja. Je l'ai eu en fusionnant la Sylphide supérieure et Inugami. Donc, il commence direct avec Tarukaja. Et avec la Sylphide supérieure et Inugami, j'ai réussi à lui faire apprendre Akunda et Media. Donc du coup, il est vraiment utile. Du coup, j'ai remplacé Isora par Shorozone. Parce que tout ce que me proposait Isora, Archange là en meilleur. Et Shorizon, il a le souffle de feu. Il y a pas mal d'ennemis qui ont l'air d'être vulnérables au feu ici, donc c'est assez utile. Voilà. Bon, du coup, on va aller revoir ce collectionneur. Et on va lui donner le billet de yens qu'on a durement volé à Loki. Tiens, d'ailleurs, j'ai quand même. Ah, j'ai pas beaucoup de maca. Je me serais bien acheté un Magatama. On verra ça plus tard. De toute façon, les Magatama, c'est un truc vraiment cher. Bon, est-ce qu'on va se taper un combat avant de. Ouais, juste avant. Alors, j'ai oublié leur faiblesse à eux. Feu, ok. On va pas gaspiller nos MP pour l'instant. Alors, ça, par contre, je sais pas ce que ça fait. Ah, attends, les ce que ça fait. Bon, oh, d'accord, manqué, ok. C'est génial! Meilleure compétence du monde. Attends, vas-y, je réessaye. Ah, ça a l'air de faire pas mal. Ah, là, c'est mal, même si là c'était un coup critique, donc c'est un peu masqué. Bon. Voilà, donc là j'ai vraiment une équipe assez bonne. Voilà. Au pire, Isora, je m'en sers de soins sans avoir à gaspiller les MP de mes démons principaux. Je crois que c'est une bonne strat, ça. Tu mets des monstres qui ont d'IA dans ta réserve et tu les utilises pour soigner les blessures après les combats. Et comme ça, tu gardes les MP de tes démons principaux. Bref, j'aime vraiment bien le système de combat de ce jeu, honnêtement. C'est basique, c'est du tour par tour, mais c'est bien fait, honnêtement. C'est vraiment bien fait. Non. En fait, ils disent que tu la même chose, peu importe ce que tu lui dis, quoi. Tu sers à rien, gamin. Tu sers à rien. Alors, si je me souviens, le collectionneur, il est en bas. Yep. Un vrai billet. On n'a pas ça marché. Hein. Allez, allez. Oh, c'est génial. Je te donne la parole. Attends une seconde. Je dors la musique. Donne cette lettre au gardien. Il devrait te laisser passer. La musique bizarre, mais je sais pas pourquoi lui, je pense qu'il servira de quête annexe plus tard. Alors ça, je me suis pas renseigné si ce jeu a des quêtes annexes, mais je me suis renseigné. Je sais que ce jeu a 6 fins différentes. Alors, je crois qu'il y en a même 7 dans cette version. Je sais pas trop ce qui va déterminer la fin qu'on aura. Puis je verrai pour avoir les autres fins pour avoir les autres fins, quoi. Je ne peux pas te laisser passer. Qu'est-ce que c'est? L'aide de lui? Ça passe. Merci. Je suis le perso principal de ce jeu. Laissez-moi passer. Respectez mon importance. Ok. Alors, comment ça s'annonce? Ça s'annonce mal. Ok, donc là on a une porte. De l'autre côté.
Une autre porte, ok, démerde-toi. Que c'est le même monstre. Enfin, sauf eux, nous je les avais jamais rencontrés avant. Ah, d'accord, ils font du poison. Ah, les altérations d'état, ça commence. Ma foi, ils ont l'air assez balèzes, tous ces gens. On va essayer de se débarrasser d'eux. On va faire un petit soin, parce que... Il m'a quand même bien endommagé avec son nuage toxique, ces connards. Ça s'en fait un moins. Je crois que le souffle de feu, ça marche, on sera dans le trou. Ouais, c'est la faiblesse des petits, cool. Ok, donc je vais essayer de bloquer celui-là. Voilà. Dodge. Je crois que c'est lui qui va être mauvais. On va se lier. Ça a l'air vraiment chiant. Ok, alors eux ils sont vulnérables à quoi? La fois, j'ai pas de foudre. Dommage. Par contre, ils ont pas l'air d'avoir une bonne précision. Ah, il se fait combien de dégâts ça? Ah, bah ils absorbent, ok. Fail. Je pensais pas qu'ils absorberaient ça quand même. Bon, le poison c'est chiant par contre. On va leur diminuer leur défense parce qu'ils sont vraiment casse-couilles. Ah, mais purée! Ils sont lourds. On va les attaquer physiquement normalement parce que. Voilà! On va tirer un de moins. Voilà! Bon. Ok, bon, moi il rapporte pas mal d'XP. Est-ce que j'ai un objet pour soigner? Oui, j'ai un anti-poison. Bon, ils sont relous, eux. Le poison, ça fait un carré. Ah, 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 cette blague. Putain. Deux portes, il a fallu que je prenne la mauvaise. Lol. Après, je me demande si je peux pas en recruter un de ces gros lards. Oh. Les femmes du camp, elles sont vacillées. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Oh, on va les péter, hein. Bon, eux, maintenant, ils sont vachement faciles. Juste à bourrer, c'est bon. Et il rapporte, mine de rien, 140 d'XP. Ouais, vas-y. Ah, cool! En 100 chances. Ah, ça doit augmenter la... Je suppose que ça va être un truc qui augmente les stats. Attends. Accroît chance de 1 et guérit totalement les PV d'un allié. Ah, je me demande. En fait, je sais pas trop à quoi ça sert la chance. Je sais pas si c'est comme dans les FF ou si c'est. On va quand même l'augmenter, celle de mon perso principal.
Hop, médicament x2, cool. Alors, ça, c'est quoi? Le faux faucheur. 3 devant, 3 devant. Oh là là, ça sent le boss. Oh, ça sent le boss. Oh, que ça sent le boss. Encore deux routes. Bon. Moi, je dis, ça pue le boss. What? Qu'est-ce que se passe? Là de nouveau, c'est le boss intérieur, le vainqueur prendra la calère. Oula! Matador. Oh là là, on va jouer à la corrida, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Précision et agilité. Ok. Matador donc. Maudit. Ça m'a l'air assez chaud. Je vais diminuer sa force, son attaque. Je pense que c'est préférable. On va juste soigner Shoranzon. Quand je vais lui réduire sa défense. Ah, je prends pas de risque là, débuff. T'es con. Ah l'enfer! Ah d'accord, ah bah d'accord, ah ok, ça va être un problème. Dans ce cas, ce que je vais faire. Putain, il agit deux fois par tour en plus. Augmenter l'attaque. Ah ok, donc il y a une capacité qui permet d'enlever les effets, d'accord. Ouais, en même temps c'était prévisible. Oh là là, lui il se sent que ça va pas être de la tarte. Non, pas média. Ah lui ça va être un show, je le sens. Oh merde, j'ai un perso qui est vulnérable.
Ah, j'aurais su, j'aurais conservé mes MP. Oh l'enfoiré! Ouais, ça sent la merde. Ouais, ça sent vraiment pas terrible là en fait. Mais merde! Efficace. Impressionnant, mais tu pourras atteindre le moment de vérité. Ça sent la grosse attaque. Sérieusement réduit la défense. What? What? Oula! Oula! Là, je sens qu'on a du lourd là. Ah ouais! Ah ouais, quand même! Ok. Ouais. Là, on a du très lourd, là. Ouais. Je reviens. Je vais pas vous faire tout le chemin du retour. Quel boss relou, sérieux. Tu peux y te faire foutre. Ah, quel boss à la con. Bon. Ouais, voilà. C'est mort. C'est dingue. Je sais qu'il est battable, mais il est juste pas moyen, quoi. Y a pas le choix, je dois lui faire Tarunda. Si je lui fais pas Tarunda, c'est mort. Et merde. Et c'est complètement au hasard s'il fait ce truc là ou pas. Complètement aléatoire. Et merde, pourquoi j'ai fait média? J'aurais dû faire média tout court. Putain, je suis même plus ce que je suis en train de faire. Évidemment. Ah, laisse tomber pour le toucher, bonjour. Même quand tu lui fais deux Sukunda, laisse tomber son esquive. On va voir. Évidemment, c'était prévisible. Il veut faire quoi? Il esquive tout le temps. Il faut de la chance pour le battre, ce type. T'as pas le choix. Ou alors être extrêmement overlevel. Parce que honnêtement, je vois pas comment le battre à part être overlevel ou ça. Ou avoir de la chance avec un truc critique, accessoirement. On va régénérer Archange.
C'est parti pour la phase bullshit. Voilà. L'attaque bullshit. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Laisse tomber, c'est fini. Bon voilà, c'est encore plus fini. Overkill, quoi. Putain. Je vois vraiment pas comment tu peux le battre. À 100% de chance. Pour moi, c'est juste pas possible. Je vais tenter que ça le touche, mais vas-y. Oh putain! Il a fallu que je joue ma gueule, quoi. Putain. Bon, il est battu. C'est déjà ça. Oh putain, mais quel boss au hasard, quoi. Bordel! Je vais bien augmenter l'agilité. Non, il va m'empoisonner. Oh la vache, quel boss de merde, quoi. J'ai obtenu la candélabre de l'arbre de la fondation. Et ça sert à quoi? D'accord. Bon. Oh là là, quel combat de ouf, quoi. Quel combat de ouf. Bon, j'ai perdu. J'ai perdu un truc, mais au moins j'ai encore des persos dans un état convenable. Putain, par contre, ça va être chaud pour sortir d'ici. Hein. Oh la vache. En plus, ils te le mettent dans un endroit où il n'y a vraiment pas de point de sauvegarde. Que dalle, et des ennemis de merde en plus, hein. Oh la vache. Bon, ce que je vais faire là, je vais arrêter l'épisode ici. Je vais revenir en arrière, je sauvegarderai au point de sauvegarde de, point de sauvegarde du village des mannequins. Et je vous laisse parce que ça c'était vraiment pas un boss de merde. Hein. Oh la vache. Bon, allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.